Pour la petite histoire, Freud, Staline, Tito, Trotsky et Hitler ont été voisins. On est en 1913. Trotsky est le rédacteur en chef d'un journal de gauche radicale. Staline est un militant communiste en fuite, Freud est un grand psychanalyste, Tito, qui deviendra président de la Yougoslavie, travaille dans une usine, et Hitler, lui, vient de se faire refuser à l'Académie des Beaux-Arts. C'est fou, mais tous ces hommes ont un point commun, en 1913, ils habitaient Vienne. À cette époque, Vienne est la capitale de l'Empire austro-hongrois. C'est la ville de la culture et du débat. Les intellectuels se réunissent pour échanger dans des cafés et tout le monde se connaît. Alors, on ne sait pas vraiment si Hitler a rencontré Trotsky ou si Tito buvait des coups avec Staline, mais une chose est sûre, c'est que c'est pas impossible. C'est quand même fou de se dire que